Tafsir Sourat al-Falaq. Exégèse de la sourate L'aube naissante qui est mécoise. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Qul a'oudhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq. Contre le mal des êtres qu'il a créés. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, les sorcières. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. قُل, dit, lorsque tu cherches refuge. A'oudhu, je cherche protection. Je m'abrite et je cherche secours. Bi Rabbil Falaq, auprès du Seigneur de l'aube naissante. Allah, le fendeur de l'aube, celui qui fait fendre la graine du noyau. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Cela englobe toutes les créatures d'Allah, les êtres humains, les djinns et les animaux. Cherche donc refuge auprès du Créateur de leur mal. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Le mal qui apparaît au moment de la tombée de la nuit, lorsque l'obscurité enveloppe les gens et que se répandent de nombreux esprits maléfiques et animaux nuisibles. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, les sorcières. Il est ici question du mal des sorcières qui jettent des sortilèges en soufflant sur des nœuds qu'elles ont faits afin de réaliser un envoûtement. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. L'envieux est celui qui aimerait voir s'en aller les bienfaits de celui qui l'envie. Il va ainsi mettre tous les moyens en œuvre afin de faire disparaître ses bienfaits. Il faut donc chercher protection contre son mal auprès d'Allah afin de faire échouer son complot. Et celui qui a apporté le mauvais œil entre également dans la définition de l'envieux. Car le mauvais œil ne peut provenir que d'un envieux à la nature maléfique et à l'âme vicieuse. Cette sourate est donc relative à la recherche de la protection contre toutes sortes de maux, aussi bien généraux que spécifiques. Elle prouve également que la sorcellerie est une réalité et qu'il faut en craindre la nuisance en cherchant protection auprès d'Allah contre celle-ci et contre ceux qui la pratiquent.